Morgane, vous avez réussi. J'organiserai son transport avec un opérateur médical. Nous tenterons ensuite de retirer son neuromode et, avec un peu de chance, de gagner sa navette par la même occasion. Ah, j'ai coupé l'oxygène, donc il s'est évanoui, c'est ça? Ah, c'était encore plus simple. Mais c'est pas ça que je voulais faire, c'est... C'est recycler l'air, en fait. Je sais même pas si je suis en train de le faire, au final. On a plus que 2 minutes. C'est cool. En attente d'oxygénation. Niveau d'oxygène. Ok, non. En fait, je fais pas du tout la chose. Bon. Trouver un moyen de réanimer. Bon, ça, par contre, je sais pas comment faire. Moi, il était pas là le mec, je l'ai trouvé plus tard. Ah, c'est peut-être au hasard. Comment on fait ça du coup? Je m'embête là. Attends, on va virer tout ça. Conscient. Qu'est-ce que je fasse? Régulateur d'air. Ah ouais, tu veux que je les répare en fait. Ok. Ça va, on va les remplacer, c'est ça? Cargo, power. Faudrait ouvrir. Là, je viens de les enlever. Cargo B, psychotronique. Cargo, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. La zone de Fred, ok, cool. Morgane, l'air est revenu à la normale. Je peux respirer. J'espère que ça veut dire que Dal, lui, ne respire plus. Merci. Encore un peu et nous allions oublier ça. Et Lazare, terminé. Ok, je comprends. Là, en fait, j'en prenais un pour en mettre sur un autre. Et ou alors je réparais. Je réparais celui-là qui était par terre, ça va. Ça. Ouh, stressant tout ça. Bon, ça va toi? Ouais, ça va toi. On le laisse là? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah on le laisse là. Attendez les instructions. Alors, on va faire le technicien. Il est au neuromode. C'est pas là. Non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Allez. Je dois le sauver via un opérateur médical. Toum, 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 toum. Ça devient intense là, là ça sent un peu la fin quand même, hein. Je veux pas dire, mais ça sent un peu la fin du jeu.
C'est genre, va là-bas, vite, dépêche, on va mourir, on a plus d'oxygène, mais il faudrait le tuer, mais faut pas le tuer, il faut le sauver, comme ça on peut s'échapper, mais si on s'échappe, il faut pas le tuer, oh mon dieu. C'est le bordel. Et on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. On va voir si on n'a pas des neuromodes à mettre. Du coup, tu le laisses à la merci des mimiques là? T'es sûr? Faut vraiment que je retourne le sauver comme ça? Ah putain, on va pas s'arrêter alors. Bah, en tout cas, bon voilà, moi la mission me dit plus rien. Faut que je transporte. Mais c'est un connard. C'est un connard, j'ai pas envie. Genre il faudrait le transporter dans un endroit sûr. Désolé, j'ai pas le temps. Quoi? Oh la vache. Depuis quand ça a été repeuplé comme ça? C'est le bordel. Je le retrouve plus le mec. C'est pas bon signe ça. Docteur Yu, ici Docteur Igwe. Nous tenons le sujet, Dal. Et ses constantes sont stables. Ah ben voilà. Merci. Nous le préparons dans le département neuromode. Venez dès que vous pouvez. Amalia, tu me dis de... Ah merde. M'a fait paniquer pour rien, Amalia. Oh merde. Moi je devais l'amener moi-même à un opérateur médical. Bah ils le disent pas quoi. Instruction en cours. Ah non. Votre combinaison fuit. Je vais refermer la brèche. Examen terminé. Passe par terre. Passe par terre. J'arrive. Bouge pas. Non. Voilà. Attends, reviens toi, reviens. Inspection en cours. Votre combinaison est endommagée. Je vais la faire. Préparation terminée. Ah, ça fait longtemps. Abracadabra, il disparut. Qu'est-ce que je fous là? On va peut-être partir d'ici, non? Non.
Non. C'est pas notre endroit. Non, on doit aller... Ah merde, si. Putain, je suis perdu. Il dormait, merde. Ah, désolé. On va se soigner. Bonjour, ravi de vous revoir, Docteur Yu. Diagnostic en cours. Brûlure profonde. Débridement recommandé. Administration d'un anesthésique local. Vous serez sur pied en un. Ah, on est à fond partout. Ah, ça faisait longtemps, ça. Ah, ça faisait longtemps. C'est sûrement une hallucination. Avec toutes les aiguilles que je me plante dans les yeux, je sais déjà comment... Je sais déjà pas pourquoi j'arrive encore à voir, quoi. C'est pas très logique, mais bon. C'est déjà très étrange. Ok. 5 neuromodes. Réserve de psy plus grande. Ouais, bof, bof, bof. Camouflez-vous en prenant l'apparence d'un objet proche. Imitez les machines légèrement plus complexes comme les tourelles. C'est intéressant. Imitez les machines complexes comme des opérateurs. Bien envie de tester ça. Créer un fantôme plus puissant qui combattra au partir le cadavre humain. Le type de fantôme est déterminé aléatoirement. C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. On va peut-être augmenter l'efficacité des hippos. C'est stylé, j'aime bien, on pourrait combattre que comme ça en fait. Morgane de toi, succès déverrouillé. Atout incroyablement beau, ça me le dit toujours. Faiblesse, famille exécrable. Immunisé, on peut rêver. Résistance, bon sens. Énorme. Oh,
Pas mal ça, pas mal, pas mal. Pas mal, je m'y attendais pas ça. Ok, on est bon, on va s'arrêter là. Pour de vrai cette fois. La prochaine fois, on continuera quoi? Désactiver le technicien et... retrouver Igwe dans la salle d'installation des neuromodes. Alors. C'est parti. Alors, faisons un petit récapitulatif de ce qu'on était en train de faire. Ça sera plus tard. Ah oui, on devait aller retrouver Igwe dans la salle d'installation des neuromodes, département neuromodes. Département neuromodes. C'est où ça? Grand Hall, ok. On doit aller au Grand Hall. Et après, c'est juste là. C'est le département neuromode. Bon, bah, ça doit être là-bas. Je vois pas d'autres capteurs. On va récupérer. Ajustement de l'inclinaison requis. Récupérer des pouvoirs. C'est rapide, hein, c'est vachement rapide. Faut monter. C'est quoi la lumière? Aller là? Normalement oui. Ouais. Quoique. Si 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 si. On va... Alors, on doit retirer des neuromodes du mec de l'armée, là. Qui, au passage, a été embauché par notre papa. Qui a été embauché par le père. Donc, apparemment, c'est l'Indien bourré du premier jeu. C'est vrai que je le sorte le premier jeu, que je le trouve, que je teste. Faites pas attention à moi. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis? Ou ça reste mes ennemis? Ça reste mes ennemis sûrement. Mais on est... Je suis jamais venu là. What? Mais si, je suis venu. Pourquoi il y a plein de monde mort en fait?
Oh. Pourquoi ce bruit? Ah, il en a corrompu quelques-uns. Avant de crever. Le télépathe. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est bizarre, je suis jamais venu dans cette salle. Je comprends pas. Quand je suis jamais venu dans cette salle? Ah merde. On va faire ça. Ah, ça va. J'ai eu de la chance. Verser des contaminations, ça a trouvé. Je me demande si on peut passer par là. Bizarre, bizarre. Par contre, le truc, c'est que j'ai verrouillé la porte, en fait. C'était peut-être une connerie. Ah, c'est bon, elle est HS direct. Ouais, on a tout fait ici. On a tout fait. On doit aller technicien là-bas, ok. Donc on est là. Action recherche et destruction. On est à la recherche du technicien. Toujours. Si je fais ça... Non, je peux pas passer les obstacles comme ça. Non mais pas sur moi! Tu m'as pas vu! Ah, il m'a pas vu! Ouh... Le Typhoon était tellement occupé sur sur l'opérateur qui m'a même pas calculé quoi. J'ai un signal. Le Typhoon a
a mal fini. Putain, mais apparemment les typhons ils sont bidons. C'est énorme. Ils sont ridiculisés quoi. Putain, merde. Oh putain, c'est pas fini. Là. Par contre, donne-moi tes restes. Voilà. Ah, très bien, okay. Les typhoons se font ridiculiser. Ah, dites-moi dans le chat, dites-moi sur Discord si le chat ne marche pas vraiment. Toi, t'es bloqué, toi. Faut aller là-bas. Apparemment, j'ai pris l'opérateur débile. Ouais. Moi, j'ai eu l'opérateur débile, c'est cool. Pourquoi je peux pas? Ah, il y a une vitre. On va les laisser s'entretuer. Ah, évidemment. C'est ça le technicien? Ouais. Ouais, je pensais rencontrer un mec en fait. On va le pirater du coup. Fais pas le con, c'est important celui-là. À la salle de contrôle de l'atmosphère, dans le système de support de vie. Nous allons défoncer toutes les saloperies d'opérateurs de DAL et nous assurer qu'aucune nouvelle défaillance ne vienne perturber le circuit d'air de la station. Fantôme intercepté opérationnel. Données sensibles redirigées. L'équipage de DAL est entièrement constitué d'opérateurs customisés. Il a fait l'erreur de placer ses espoirs dans une machine. Les êtres de chair et de sang sont chaotiques, Morgan. Mais c'est tout ce qui compte au final. Beau travail. Le transfert a repris. Retrouve-moi à l'arboretum. Une tâche importante nous attend. Je crois qu'on a un petit glitch. Normalement, les tourelles devaient sûrement être sur la plateforme. Ouais, parce que bon, c'est vrai qu'il n'était pas vraiment très très protégé le... Le technicien. Bon, en tout cas, on a fait ça. Très bien, on va aller voir le docteur Igwe. On va aller voir Igwe. Sans se perdre.
C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça du tout que je voulais faire en fait. Je voulais me téléporter. Comment? J'ai complètement inversé les touches. Oh la vache. Les hémorragies. Ah ouais, des fois je fais n'importe quoi. Erreur. Surtout que c'est pas là qu'il faut aller, hein. On est là-bas. Ah si si, on est sur le bon chemin, ça. Plein de tourelles là-bas. HS, HS. C'est avec Célia. Ah, le bordel. Il est où le cadavre du télépathe? Erreur, ajustement de l'inclinaison requis. Télépathe. Bon. Allez, on va voir Igwe. Est-ce que je peux monter là? Hop là. C'est bien d'être super agile. Docteur Yu, ah. Morgan, je craignais que vous n'arriviez pas. Le sujet Dal est solidement attaché. Je pense avoir isolé le bon neuromode. Il est essentiel d'en dire le moins possible sur ce qui s'est passé dans la station et de rester concentré sur la situation. Dal, si sa mémoire fonctionne, devrait réagir en conséquence. Il n'est pas du genre à contester les ordres. C'est quand vous voulez, Morgan. N'oubliez pas, si ça fonctionne, pas un mot, compris? Activer la procédure d'ablation des neuromodes, ok. Alors tu testes Wildland, Amalia? Une fois extrait, la mémoire de Dal devrait revenir à la date d'insertion. Et il devrait avoir oublié sa mission. Ah, si vous craignez la convention de Genève, je tairai le nom de la personne ayant réalisé la procédure. Vous avez ma parole. C'est ce moi que aussi, je risque gros, vous savez. C'est ce que je voulais faire. Ouais, mais il y a des monstres et tout, on va mourir, tu sais, on s'en fout de ce qui se passe. On va effectuer un scan. Alors, déjà, on va sauvegarder au cas où. On va sauvegarder, on va faire une vraie sauvegarde au cas où. Que je fasse pas de la merde. Alors, effectuer un scan. Veuillez activer le harnais de sécurité chirurgical. Il n'est pas activé. Activer le harnais. Docteur Yu, c'est quand vous voulez. Waouh. Effectuer un scan. Un scan complet. Si vous hésitez, laissez-moi vous rappeler que l'extraction ne peut pas nous nuire davantage. Juste nous faire perdre du temps. On peut lui mettre la bande-annonce. Bonjour, volontaire. Je m'appelle Bianca Goodwin. Je suis chargée de communication avec les volontaires pour le rendre encore plus fou. De Talos One.
Je voulais être la première personne à vous féliciter à votre réveil. Au nom de tout le personnel de Transtar, bravo et merci. Je suis sûre que vous vous sentez un peu patraque. C'est parce que vous venez de subir une procédure médicale du nom de neurotomie. Ah, le robot, ferme ta gueule. Pendant les prochaines heures, vous aurez peut-être du mal à bouger vos membres ou à vous... Votre père a demandé de vos nouvelles. Et d'Alex aussi. Je devais lui faire un rapport de récupération après une installation de mode. Où est-ce que je suis? Pourquoi vous m'avez attaché? Commandant Dahl, je suis le docteur Igwe, le médecin-chef. Vous avez... J'ai déjà vu votre visage dans le registre des employés. Le larbin d'Alex. Le parapsychologue discrédité. Ah. Commandant Dahl, vous souffrez d'une grave blessure à la tête suite à une crise au sein de la station. Nous devons évacuer immédiatement, mais nous ne pouvions partir sans vous. Êtes-vous capable de piloter une navette? Quoi? Oui, bien sûr que je peux piloter une... Attendez, de quelle crise vous parlez? On est sur la plateforme Argus. Où est Caspar? Nous n'avons pas le temps de vous expliquer. Nous devons rejoindre les navettes et nous préparer au départ. Demandez par Transtar. Yu vous le confirmera. Évidemment. Morgan, vous avez une sale gueule. Ah, ça. Allez, exfiltrons le fils à papa de cette station ou Transtar va me blacklister. Donc ça a J'aimerais juste marché. Vérifier vos constantes. Notre pilote ne doit pas s'évanouir. Je vais très bien, merci. Morgan, nous sommes dans le système de support de vie en ce moment. La voie est libre. L'air est normal. J'ai perdu des gens bien en affrontant les Black Box. Et Dahl n'était pas là. Si vous le voyez avant moi, faites-le payer. Et Lazare, terminé. Quoi ? J'ai été conçu pour prévoir ce que vous allez faire. Et pourtant, cette tournure des événements avec Dahl, je suis impressionné et surpris que vous ayez trouvé un moyen de sauver l'équipage restant. Votre sacrifice sera connu de tous, j'en suis certain. C'est chiant de faire autant de bruit. Écorchure, fatigue, rien de très grave. Je vous serai sur pied en un rien de temps. Il n'y a pas un moyen pour enlever leur bruit à chaque fois. Qu'est-ce que c'est chiant. Afin que je puisse améliorer mes services. Au moins on sait qu'ils sont là, mais bon quand même. Alors qu'est-ce qu'elle veut que je fasse, elle? Elle veut que je le tue ou pas? Non, attendez que Dahl vous contacte depuis la navette. Passez devant, Morgan. Nous vous rattraperons. Son neuromode sur la machine. Je l'ai pris, c'est ça? Oui, non, c'est bon, je l'ai pris. Tout est bon. On peut lui parler? Bon, bah c'est bon. Alors... Bon, on se casse. C'est Raiden. Sur la machine d'opération. Voilà, c'est bon, je l'ai pris. Je n'ai rien pris. Qu'est-ce que je n'ai rien pris? Quelle machine d'opération? Allez, ça commence. Je suis confus. Oui, arrête le robot, arrête opérateur. Bonjour, ravi de vous revoir, Docteur Yu. Il n'y a pas de machine, quelle machine? Ça, c'est l'ordinateur, la machine. Ah, la machine là? Il n'y a pas. Tu me racontes des conneries encore une fois? Tu me trolles? Je m'en vais. Alors, on va attendre Dahl, on va sûrement changer de zone et il va sûrement nous le dire. Employé mécontent, quai décembre, lock.
On va aller voir Alex. Là-bas. Bah moi il y avait le neuromode mais sur la table. Bon, on a fini avec les robots du coup, il n'y en a plus. Enfin, je crois. Okay. Alors. Ouais, donc il faut retomber au. Retourner au. Là-haut. Arboretum. On retourne à l'arboretum. Et on va parler à notre bon vieux frère. Là. On va parler à Alex. On va récupérer sa clé s'il veut nous la donner. À moins que ce soit un piège. Bon, on va voir. Et je pense qu'on va avoir le choix du genre faire péter la station, s'enfuir, faire péter la station, crever avec, ou alors ne rien faire péter. Ne rien faire péter, s'enfuir. Enfin voilà. On va voir. Je sais pas ce que je pense que je vais pas faire péter la navette. Qu'est-ce que c'est pas ici? Quoi? What? Okay. Je pense que je vais rien faire péter. Moi. Ouais. Même si c'est la mauvaise fin, enfin c'est le but, hein. C'est le but de faire la mauvaise fin, mais. On va voir ce qui me semble plus cool. Ah oui, recharge-moi. Ça aussi. Là-bas. J'aime pas les ascenseurs. Hop là. Pas besoin d'ascenseur chez moi. Alex. Alex. T'es là, Alex? C'est là qu'on doit aller? Alex, you, il est là. Oh, il est là? Non, il est pas là, il est dehors. Ah. Oiseau. On devait pas finir le téléchargement là. Ah, faut le continuer? Ou pas? Obtenez la clé, prêt à retourner dans l'ordre. Retirer la passerelle. Non. Il n'y a pas de nouveaux emails, ok. T'es vraiment là, Alex? Waouh, t'es vraiment là. Je t'ai promis ma clé d'armement. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Ensuite, tu pourras désintégrer Talos One si tu penses que c'est la meilleure chose à faire. Tu ne le feras pas. Je le sais.